Salut tout le monde, c'est Axe45 et on se retrouve aujourd'hui pour un microplay. Alors qu'est-ce que j'appelle microplay? C'est un mini let's play tout simplement sur Mario Party Advance. Puisque il faut savoir que ce Mario Party, voilà donc un jeu Nintendo forcément, est sorti sur Game Boy Advance et c'est le seul de son genre puisque c'est un jeu qui se joue particulièrement solo. Voilà, il a un mode solo qui est très complet, il est plutôt sympathique. Ça fait très très longtemps que j'avais pas joué. Alors pourquoi est-ce que je vous fais un micro-play comme ça, hein, alors que pourtant j'ai mes let's play de près et tout, ça fait quelques jours qu'il n'y a pas eu de vidéo réellement. Pourquoi? Bon bah déjà faut que je m'explique parce que c'est vrai que je vous ai pas réellement prévenu. Je ne pensais pas non plus que ça arriverait. Tout simplement, mon PC est à mon appartement. Voilà. Et je suis chez mes parents donc depuis déjà plus de 2 semaines. Et donc, je pars le rechercher à la fin du mois normalement, en fin de mois de mai, fin de mois de mai, début juin, je devrais récupérer mon PC. Sauf que c'est dessus qu'il y a toutes mes sauvegardes de tous mes let's play, et c'est vrai que je pensais que je le ramènerais chez moi, et en fait, il n'y avait pas de place pour le ramener. Donc, du coup, je me retrouve finalement sans mon matériel de tournage. Alors, j'ai mon logiciel de montage, j'ai mon ancien micro, c'est pour ça que le son il sera pas pareil, il sera moins bon, il sera moins fort, ce sera moins bien. Je tourne avec le PC portable, c'est aussi pour ça que je fais un jeu Game Boy Advance, pour que je sois sûr que ça tourne bien. Et ce microplay, je vais essayer de vous le faire, peut-être pas intégralement, mais je vais essayer de vous en montrer un maximum possible de ce jeu, parce qu'il est un petit peu spécial, vous allez voir. Alors, vous pouvez voir que le texte tourne depuis tout à l'heure. Voilà, hein, donc le monde Fiesta de ce Mario Party Advance. Et c'est parti, n'attendons plus pour faire start. Alors, faut savoir que j'avais le jeu sur Game Boy Advance, pour ça je sais qu'il est sympa. Et là, j'avoue que ça fait... Je l'avais vu quasiment à sa sortie, je devais l'avoir ouais, en 2005-2006 le jeu. Donc ça fait un moment que j'y ai pas joué, il faut bien le dire. Mais bon, c'est pas grave, on va se faire plaisir. Allez, c'est parti! Bonjour toi, tu viens faire la fête? Avant de commencer, il te faut un passeport. Tu veux bien répondre à quelques questions? Après, collectionne ceux de tes amis. Assez papoté, faisons d'abord le tien. Alors, quel est ton nom? Oh je vais mettre... Je pense que je vais mettre Axe. Je peux pas mettre Axe45, ça fait trop long. Alors, ok. Ton nom est Axe. Ouais. Quel est ton mois de naissance? Ah, juillet, évidemment. Évidemment. Il te faut un visage. On va rire un peu. Hein? Pour modifier mon visage. Bon, on va essayer de faire un truc pas trop mal. Ah, une belle coupe de cheveux. Moi, j'aime bien ça. C'est fun. Une coupe réaliste. J'ai envie de dire celle de base était pas trop mal. Ça devait être ça ou un truc dans le genre. Oh mon dieu! Dégarni, tout ça. C'est bizarre. Moi, c'est plutôt bordélique en général quand je me coiffe pas. Pas de sourcils, c'est une idée. Ah, des méchants! C'est dingue ça. Très bizarre. Je suis vicieux. Je suis soucieux. Je suis fou. Des yeux, des yeux, des yeux. Drogue, drogue. Je veux dire, ça sert à rien. On va mettre cela. Non. Je suis pas fini. Le nez, il faut quelque chose de plus. Ah, ça c'est bien. Et une bouche, une bouche, une bouche. Les bouches en cuit de poule. C'est n'importe quoi. Allez, le petit sourire de côté là. Sourire, je me fous de ta gueule. Quelle est ma passion? Ma passion, ma passion. Il y a plein des passions. Il y en a plein. Des passions du sport. Passion du jeu. Le sport. On va mettre le sport parce que j'aime bien le sport. Et vous qui êtes là devant votre écran, vous dites « Mais non, c'est les jeux vidéo, évidemment !» Évidemment aussi, évidemment, j'adore. Mais les sports en général. Voilà, le sport, parce que c'est bien, faut pas dire que tu aimes que les jeux. Maintenant, écris ce que tu veux. Ça peut être absolument n'importe quoi. J'ai envie de faire du troll, là, mais bon. Non, je vais pas écrire n'importe quoi quand même. Je vais pas écrire. Je peux écrire ça, ce serait bien con.
J'ai absolument rien à écrire. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, bon, voilà. Écrire une connerie. On va peut-être pas en mettre plein. Voilà. Puis on va mettre un espace. Puis même qu'on va mettre plein des points d'exclamation. Voilà, qui sont là-bas. Ça sert à rien, c'est pas grave. Voilà, est-ce correct? Ouais, c'est cool. Tu gardes ce passeport, bien sûr. Tu as ton passeport. Enfin, presque. J'ai encore deux questions. Des questions. Quel est ton plus grand rêve, Axe? Oh. Je n'ai qu'un rêve. Manger. Non, c'est pas un rêve, mais manger, c'est cool. Manger. Manger, c'est un beau rêve, ça. Quel est ton plus grand secret? Je ne sais pas. Je ne répondrai pas à cette question. J'en ai pas. Je suis obligé de répondre. Fuck. Bon bah, pas le choix. Je vais devoir le dire. J'aime les pâtes. Ça, c'est du secret, ça. Gros, gros secret, là, il y a du droit. Et oui, j'écris tout en majuscule parce que je suis con. Surtout, j'ai la flemme, surtout. Surtout la flemme. De descendre. Puis c'est cool d'écrire en majuscule parce que ça fait badass. Et tout. Puis j'écris très très fort. Ça, je crie ce que j'aime. Je suis un dingue. Je suis un dingue. Alors ouais, vous pouvez sentir que je suis pas hyper hyper grande forme et tout. Parce que je suis un petit peu fatigué. Ne t'inquiète pas, je sais garder un secret. J'espère bien. Personne ne doit savoir que j'aime les pâtes. C'était tout. Joli travail. Merci de ta patience. Et maintenant que la fête commence, c'est parti. Papa. Ouais, j'ai pas trop envie de forcer sur la voix surtout. Bienvenue au monde Fiesta. Vive les mini-jeux et les catatrucs. Allez, c'est la fête. C'est parti. On va faire la fiesta, ne commence pas sans moi. Personne ne fait la fête sans nous. Yeah. On est les meilleurs. Là, je suis parti en train de péter un câble et tout. C'est la fête. Tu vas faire la fête selon nos règles. Écrase-toi, pauvre champi. Pauvre champi de Toad. Adieu, mini-jeu et catatruc. Bowser les a dispersés sur Chapiville. Oh mon dieu, il les a dispersés sur Chapiville. Oui, il va falloir que j'y aille aussi. Kakaka. Mais attends, Bowser, y a pas intérêt à y mettre les pieds. Allez, j'y vais. Oh non. Oh là là, l'heure est grave, plus de mini-jeux ni de catatruc. Va à Champiville, récupère tout ce que Bowser a jeté. Allez, on te souhaite tous bonne chance, on compte sur toi. C'est parti. Ça veut dire bouche tes fesses. Alors, nous avons donc Champiville, donc la ville, le jeu de base. Ludiland, où tu peux tester tes jeux et tes catatrucs. En gros, c'est toutes les conneries qu'il y a dans ce jeu. C'est sympathique. Festiland, bats-toi contre tes amis ou tes ennemis. Et Défiland, gagne des pièces dans divers mini-jeux. Alors, on va peut-être pas commencer par Champiville, on va peut-être commencer par les autres modes. On va aller donc dans Défiland. Voilà, bienvenue à Défiland, ici on s'amuse. Dommage, tu ne peux pas encore jouer. Parce que j'ai pas une seule pièce. Voilà, donc ici il y a moyen d'échanger des pièces contre des catatrucs, donc des mini-jeux. Ici, Bowserland, que j'ai pas encore débloqué. La course au duel qui est pas encore débloquée. La salle de jeu qui est pas encore débloquée. Et la tech des mini-jeux qui est pas encore débloquée. Tout ça parce que j'ai pas un rond. Voilà. Donc on ira plus tard. Festiland. Alors Festiland. Bienvenue à Festiland, patrie de la fête. Va chercher quelques amis. Voilà, ça permet de jouer tout simplement contre des gens. Ou tout seul. Mais bon, ça permet de jouer au mini-jeu duel quoi. Voilà, combat mini-jeu Bowser, bataille des 100 qui n'est pas encore disponible, attaque des 100 qui n'est pas encore disponible. Bref, on va rien débloquer. Ludiland, c'est là où on va jouer au mini-jeu débloqué. Bienvenue Ludiland, tu vas t'amuser, tu n'as pas encore beaucoup de mini-jeux. Si moi j'en ai pas un seul, joue à tes mini-jeux. On peut voir qu'il y a pas mal de petits mini-jeux quand même. Avec quel personnage veux-tu jouer?
C'est limité personnage, hein. Il y a Mario, Luigi, Peach et Yoshi. Bon, moi j'aime bien Luigi. Et de toute façon, j'ai pas un seul mini-jeu. Bienvenue Luigi, tu connais déjà les règles du jeu libre? Bien sûr que je les connais. C'est tout simplement choisir son jeu. Bon, là on peut voir ici qu'il y a pas mal de petits jeux. Voilà, il y a plusieurs pages. Alors forcément, on peut pas distinguer qu'il y a plusieurs pages, mais voilà. Ça, vous comprenez ce que ça veut dire. Oui, non, je voulais quitter. Voilà. Voilà, ensuite, envoie un mini-jeu, mais bon, ça, je vais dire tout. Je cours ce pingouin de 2 à 4 joueurs, mais bon, pareil, il faut l'avoir débloqué. Amuse-toi avec les 4 à trucs qu'on n'a pas non plus. Ce sera comme pour les mini-jeux, finalement, il n'y a rien. Et tu peux envoyer les 4 à trucs également, voilà. Mais nous, on va donc commencer par Champiville, puisque c'est là qu'il faut commencer. Donc là, il y a plein de petites missions. C'est assez sympa comme mode de jeu, puisque c'est, voilà, on privilégie beaucoup le solo dans ce Mario Party, contrairement aux autres, où justement, le principe est de faire la fête entre amis. Là, tu fais la fête tout seul. Là. C'est beaucoup moins fun. Bienvenue à Champiville. Bonjour, je m'appelle Tumble. Pourquoi je pensais à Tumble, hein? Tumble. Avec quel personnage veux-tu jouer? Ils démarrent tous d'un endroit différent. Ce qui veut donc dire que tu vas devoir jouer avec tout le monde. Et ça, c'est sympathique. Sympathique parce que même si t'aimes pas certains persos, t'es obligé de jouer avec. C'est ça qui est génial. Voilà, donc ils démarrent tous d'un endroit différent. Et donc, bah, je vais commencer avec Mario. Même si je préfère Luigi. De toute façon, je jouerai avec tout le monde. Pour ce premier épisode, je pense jouer avec Mario. Je découperai ça en plusieurs épisodes. D'ailleurs, j'ai pas regardé combien de temps ça fait. Étant donné que j'ai un nouveau disque dur, j'enregistrerai peut-être sur... Non, j'ai pas les ports USB pour enregistrer sur le disque dur. Bon, c'est pas grave. J'enregistrerai au fur et à mesure, c'est pas un problème. De toute façon, je vais tout enregistrer, je pense. Pas tout enregistrer sans vous. J'uploaderai au fur et à mesure, mais je me comprendrai. Tu sais déjà ce que tu vas devoir faire? Non, je t'écoute, parce que là, pour le coup, c'est assez important. D'accord. Obtiens des mini-jeux et des catatrucs. Collectionne-les tous. À Champiville, les gens en ont plein. Aide-les et ils te les donneront. On va voir les règles du jeu maintenant. Tu te déplaces en faisant rouler le dé. Quand tu n'as plus de champignons, c'est fini. Tu as tout compris? Ouais. C'est parti. En fait, le principe, c'est qu'on démarre avec un nombre de champignons et on doit se déplacer sur la carte, aider les gens. Et des fois, c'est des aides en plusieurs étapes. Il faut démarrer d'un endroit, il faut aller chercher quelque chose à un endroit, puis repartir. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Tout d'abord, tu te déplaces avec le dé. Tu avances tant que tu as des champignons. Là, j'ai 5 champignons. Il y a 4 sortes de cases différentes. Les cases jaunes sont les cases normales. Les cases dés vertes font relancer le dé. Les cases rouges font perdre un tour. Les cases mini-jeux te seront utiles. Obtiens des mini-jeux et des 4 trucs. Parle aux habitants et accepte les missions. Remets de l'ordre au monde Fiesta. Alors, les cases mini-jeux, tout simplement, ça permet de gagner des champignons supplémentaires. Goomba vit ici, il est plutôt gentil, il a sûrement beaucoup à te raconter. Voilà, qui m'aide un petit peu, voilà. Donc là j'ai consommé un champignon. Le bouton F sert à arrêter le bloc D. Donc évidemment, on peut voir la carte avec R pour voir champignon, c'est pratique quand tu le perds. Voilà, on va pouvoir se déplacer, on peut voir qu'il y a des tuyaux. Là il y a des tuyaux jaunes. Voilà, il y a des tas de trucs. Là c'est le départ de Luigi, je crois. On peut voir aussi le nom des endroits, hein. Phare champignon. On peut voir que je ne l'ai pas fini. Ici, c'est le départ de Luigi, me semble-t-il. Ça, c'est cachette Bowser, mais c'est la cachette Bowser grise. Enfin, ça, tu es noir, pardon. Tu es noir. Voilà, Villa Masrim. Enfin bon, il y a plein d'endroits, plein d'endroits. Là, il me semble que c'est le départ de Yoshi par là. Ici, il n'y a personne qui démarre de là. Violet, ça doit être le départ de Peach. Et voilà, donc j'ai mon départ de Mario. Enfin bon, bref. On peut voir ici avec la vue générale de la carte. Ça permet de se déplacer, voilà. On peut voir toutes les choses qu'il y a, voilà, en passant dans les zones. Ici on peut voir, on est dans la zone Mario, voilà. Ici c'est plutôt zone Peach, ici bah pareil, Peach Yoshi, un peu Luigi aussi, voilà. Enfin bon bref, c'est sympathique tout ça, c'est très très sympathique. Voilà, bon, je vais faire retour. Ici nous avons le menu, le bouton L propose plusieurs options. Tu peux lire des infos sur les missions, tu peux lire des infos sur les personnages, sauvegarder permet de sauvegarder, quitter, tu peux aussi quitter le jeu avant la fin. Voilà, donc on peut voir les différentes missions, les choses, enfin ça nous intéresse pas, nous on va lancer le dé, et on fait un 10, la manette plus sert à se déplacer, voici où tu dois aller, maison combat. Pourquoi pas, on va aller à la maison combat. Appuie sur le bouton A si tu veux t'arrêter. Ah oui, on va s'arrêter, du coup ça veut dire que je perds mes tours, mes cases de déplacement supplémentaires. Maison combat, veux-tu t'arrêter ici? Oui, on va s'arrêter à la maison combat. Comment ça va? C'est moi, Gomba. Plein de trucs sont tombés du ciel. On a tous eu un mini-jeu ou un catatruc. Aide les habitants de Champiville. Tu auras des mini-jeux ou des catatrucs. Et moi, tu veux bien m'aider? Allez, c'est parti. Le gentil Gomba. Donc ça donne des petites missions comme ça à faire dans toute la carte. Et c'est très très sympa à jouer. C'est une course très facile. Va à la gare me chercher un ticket. Tu acceptes de le faire? J'y vais. Merci beaucoup. La gare est à gauche. Tu dois me ramener un ticket. Voilà, donc c'est bien écrit en rouge. La gare, c'est le truc qui est juste à côté. Voilà, donc quand tu acceptes une mission, un symbole mission apparaît.
Et donc ici, si je fais mission, mission pour Gomba, le gentil Gomba. Voilà. On peut voir, mission pour Gomba, bon, 0 sur 50. Il y a 50 missions apparemment. Voilà, 9. Prochaine destination, la gare. Tac, tac, la gare. Donc on va s'arrêter ici. Gare, veux-tu t'arrêter ici? Tout à fait. Oh, bien le bonjour, je suis Maskas. Je suis le chef de gare. Oh, c'est Gomba qui t'envoie. Que dois-tu faire pour lui? Acheter un ticket. J'ai oublié. Ah, c'est dommage. Acheter un ticket. Très bien, un ticket pour Gomba. Tu as un ticket. Si je lui dis que j'ai oublié, je pense qu'il va me dire de repartir. Je ne vais pas perdre un tour. Non. Prochaine destination, maison Gomba. Tac, tac. Maison Gomba. Maison Gomba. Veux-tu t'arrêter ici? Oui, tout à fait. On va s'arrêter ici. Oh, mon ticket. Comme récompense, prends ce catatruc. Donc là, j'ai gagné mon premier catatruc. Équilibre fait à toi. Rassemble les mini-jeux et les catatrucs. Tu vas essayer de tous les avoir, non? Quel dommage que je ne puisse pas t'aider. Bonne chance. Merci, c'est gentil. Donc là, il me reste... Voilà, là, on peut voir, j'ai obtenu la petite étoile, donc la mission est accomplie. Mission accomplie. Ah, il se passe quoi ici? La maison des tuyaux. Je savais que tu viendrais, Mario. Alors, tu as accompli une mission, hein. Mais tu as encore beaucoup à faire. D'ailleurs, j'ai 10 catatrucs. Remporte mes missions pour les avoir. Kappa. Tu ferais mieux d'abandonner. Pas question. Tu ne te dégonfles pas? Bon, j'ai toujours 10 catatrucs. Termine mes missions pour les gagner. Il te manque encore 2 missions. Ensuite, tu pourras venir me défier. Allez, à plus tard, Minus. C'est ça. Et donc là, mission terminée. J'ai fini la mission de Gomba. Beau travail, c'est ton premier catatruc. Tu apprends vite, on dirait. Je dépose ton catatruc à Ludiland. Essaye de gagner chaque mini-jeu catatruc. Redonne au monde Fiesta son vrai visage. C'est le moment du défi champignon. Tu vas pouvoir gagner des champignons. Tu auras 3 champignons si tu gagnes. Mais si tu perds, tu repars bredouille. Faisons tourner la roue. Voilà, il y a de temps en temps des mini-jeux aussi qui se font tout seuls. Donc le premier mini-jeu que je vais avoir est Electrifuite. But, bat le score. Donc il faut que je batte le score. Il faut juste que je me déplace. Il est fortement conseillé d'éviter les éclairs. Faut juste me déplacer dans ce mini-jeu. Très bien. Oh bon, ce mini-jeu, je me souviens plus vraiment. Il faut juste battre le score. Donc là, il faut que je me déplace et il faut que j'évite les éclairs. Donc ça, je pense pas que ce soit trop dur. Ça va, on peut les voir à l'avance surtout. Par contre, niveau déplacement avec la manette, c'est pas du tout pareil qu'avec un pad. Je peux vous l'assurer. Mais bon, ça va faire l'affaire. Il faut que je batte le score de 300. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Je suis à 110 pour le moment. Oula. Voilà, donc plus les lignes sont compliquées à franchir, plus ça me rapporte de points, évidemment. Ce qui est plutôt sympa. Bon, là, pour le moment, j'ai pas trop à bouger, donc ça va. Donc là, il y a beaucoup, ça fait 60. Là, il y en a beaucoup aussi. Voilà, j'ai battu le score, donc j'ai gagné. Pas trop trop dur. Et donc, je gagne 3 champignons supplémentaires, ce qui me permet de continuer à me balader. Et donc, à continuer de remporter des missions. Tu reçois 3 champignons. Voilà, voilà. La piscine. Un entraîneur de natation a besoin d'aide. Va l'aider, si tu sais nager. Alors, je crois pas que j'ai un ordre de mission à faire, mais disons qu'il m'aide, quoi. Donc là, il faut que je fasse 2. Je pourrais aller voir le chombe qui est pas loin. Il y a une mission à la gare aussi. Voilà, un nouveau champi. C'est pareil. 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, ça sert à rien, ça c'est les déchets. Gare, veux-tu s'arrêter ici? Tout à fait, on va s'arrêter à la gare. Mes respects, mon nom est Maskas. Je suis le chef de gare. J'aimerais te demander un service. C'est quoi? Panne de train. Panne de train. Oh, merci beaucoup de ton aide. Le train ne roule plus depuis hier. Nous n'avons plus de charbon. Pourrais-tu trouver du charbon? Avec plaisir. Tu es si aimable, une qualité devenue rare. Les gens ne savent plus parler correctement. Sans train, la gare ne sert à rien. Tu trouveras du charbon à vendre en ville. S'il te plaît, trouve du charbon. Il n'y en a pas au bric-à-brac? Aide-moi, tu auras une récompense. On me dit qu'il y en aurait peut-être au bric-à-brac. Bric-à-brac, il faut que je trouve où c'est maintenant. C'est ça la bonne question. Avenue Popombe, Maison Tompe. Bric-à-brac, c'est là-haut. Ça veut dire qu'il faut que je remonte jusqu'ici. Ok. Bon, ça devrait le faire avec le nombre de champignons que j'ai. Enfin, je crois. 1, 2, 3, un nouveau dé, ça tombe bien.
1, 2, 3, 4, 5. Défi champignon que le sort décide. Alors, quand je suis quasiment en cours de champignon, on a 3 nouveaux défis. Ça, c'est cool. Par contre, si je le perds, bah du coup, c'est perdu. Du balai. But arrive avant la fin du temps imparti. Alors, gauche, droite, frapper, AB, pousser. Pousse les trompes hors de ton chemin et combat les womp et les pokés. Ok, donc faut juste que je me déplace, que je saute et que je frappe. Ah, par contre, AB, je sais pas si c'est en même temps ou si c'est alterné. On verra bien. On verra bien. Ah oui, oh bah oui, je me souviens. Ok, donc là c'est bel et bien. D'accord, donc je me souvenais plus du tout de ces mini-jeux. Donc quoi ? Ah ouais, le problème c'est que je tape pas très très bien. Passer le truc comme ça, ça ira plus vite. Ah bah, il m'a touché. Voilà, ce sera mieux comme ça. Hop et hop, voilà, je suis arrivé. Celui-là était pas trop dur, mais c'est vrai que j'étais tombé sur des très très durs il y a longtemps. Je me souvenais plus du tout de ce mini-jeu. Autant l'électrifuit, je m'en souvenais. Autant celui-là, ça ne me disait rien. Tu reçois 3 champignons. Ce qui me laisse largement le temps d'aller au bric-à-brac. Et ça, c'est cool. 1, 2, 3. Enfin, sauf si je fais des petits scores comme ça, forcément. Ça mettra un peu plus de temps. 1, 2. Ce qui est bien, c'est qu'on peut revenir en arrière. Ça, c'est pas mal. Que vous vous êtes trompé. Hop, alors là, du coup, je vais retourner là-dessus. Histoire d'arriver au bric-à-brac sans utiliser un champignon. C'est que des petites astuces comme ça. Bienvenue au bric-à-brac. Nous ne sommes pas encore ouverts. Mais nous ouvrons très bientôt. Ah, ça veut donc dire que je ne peux pas l'aider. Donc peut-être qu'il faut faire les missions dans l'ordre. Dans l'ordre, effectivement. Bon. Je me souviens plus vraiment. Donc, vue générale. Pour rejoindre le truc, il vaut mieux que je descende maintenant. Voilà. Donc tac, tac. Tac, 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 tac. Défi champignon. Ah, chaque fois que j'arrive à 2 champignons, je vais avoir un nouveau défi. Bon, ça me permet de débloquer les mini-jeux, vous me direz. Hein, mais disons que c'est peut-être plus intelligent de faire ça avec, avec Luigi. Hein. Ce sera à côté de lui, le truc de la piscine. Arrive avant le temps, la fin du temps imparti. Accélérer, freiner. Ok. Bah, a priori, ça pose pas trop de problèmes. Je suppose qu'il faut laisser appuyer sur A. D'accord, ça glisse. Et on peut faire des têtes à queue. Intéressant. Je découvre les mini-jeux en même temps. Là, j'aurais dû freiner. Ok, s'il y a vraiment quelque chose qui m'a... Il n'y a rien qui m'indique réellement que je vais faire un têtes à queue. J'ai perdu, pas grave. Je vais pas gagner les champignons, dans le pire des cas, je perds. Ça me permettra d'aller faire la mission avec Luigi. Dommage, une prochaine fois peut-être. Là, j'ai mes derniers champignons. Après, là, il y a moyen de faire les mini-jeux directement comme ça. Tada, je suis mini-bowser. Si tu gagnes ce mini-jeu, je te filerai un champignon. Mais attention, si tu ne gagnes pas, je te piquerai un champignon. Bon, on y va. Le mini-jeu sera dédale. Bonne chance. Arrive avant la fin du temps imparti. C'est un peu toujours les mêmes, finalement, les mêmes choses. Donc, AA, charge le sol. Et gauche-droite, frappe les blocs pour en modifier la direction. Trouve la sortie. Ok. Ok, ok. D'accord. Ok, je viens de comprendre à quoi il servait. Là, on va grimper. Ah! Peut-être monter, remarque. Hein. Eh ben non. Ah merde. Ça fait pas de double saut, c'est très gênant. C'est très gênant. Et puis voilà, je m'en sors pas.
Voilà, donc on va grimper par là. Pas du tout, c'est par là. Mais bon. Ah bah non. Ah. Le problème c'est que je sais pas où il a sorti en fait. Bon, bah j'ai perdu, je vais me faire voler mon champignon et du coup je vais perdre avec Mario, c'est pas grave. C'est pas important hein, finalement. C'est pas très très important. Tiens, mais tu as perdu. Haha, parfait. Allez, je te pique un champignon. Ah non, et c'est le game over. Ah, merci beaucoup pour son champignon. Reviens me voir. Ah, et tu n'as plus de champignon. Désolé, mais ta partie se termine ici. C'est donc un game over. Enfin, de toute façon, vous direz. De toute façon, il y a tout le temps des game over dans le jeu. Vous ne pouvez pas éviter le game over. C'est pas possible. On gagnait tous les mini-jeux. Mais ce serait vraiment horrible. Donc là, on donne les mini-jeux gagnés, les catatrucs gagnés. Recommencer, choisir personnage, menu principal. On va choisir un personnage, on va jouer avec Luigi, et je pense qu'on s'arrêtera juste après. Voilà, donc je prends Luigi, c'est parti. Allez, la Luigi Mobile. Donc du coup ça change aussi le perso pour les mini-jeux, évidemment. Vous en doutez, donc là il y a le petit gars dans sa piscine qui est juste à côté. Donc là, ah, j'ai vu un ovni sur le toit de l'immeuble, enfin ça ressemblait à un ovni. D'accord, en fait il n'y a peut-être pas d'ordre, c'est juste que j'ai pas eu de bol en tombant sur l'autre. Ah, quelque chose ici. Tour duel, là. Ah, la tour duel, c'est un truc qui est super compliqué. Ça. Tour duel, veux-tu t'arrêter ici? Ouais, bien sûr qu'on va s'arrêter ici. Te voilà, tour duel. Mon nom est Arato, et je t'observe. Cette tour teste les duelistes. Tu connais le salut des duelistes? Duel, duel. C'est triste, j'avais de grands espoirs. Je suis désolé, tu ne peux pas entrer. Sérieusement? C'est pas duel? Dauphin est humoriste. Si tu veux rire un peu, va le voir. Non mais sérieusement. C'est pas duel, c'est ça. C'est la première épreuve. Te voilà à la tour duel. Mon nom est Arato, je t'observe. Cette tour teste les duelistes. Tu connais le salut des duelistes. Ça se trouve, on l'apprend quelque part. À l'attaque! C'est exact, c'est le cri de la bataille. Tu peux commencer ton entraînement. Le duel du rez-de-chaussée. Il y a trois niveaux dans cette tour. Un dueliste talentueux t'attend à chacun. Balaye tous pour parfaire ta technique. Alors tu connaîtras le vrai pouvoir. On se reverra. Ouais. D'accord. À l'attaque. Je suis Womp, gardien du rez-de-chaussée. Pas envie de causer. À l'attaque. À l'attaque. Tout est une question de pouvoir. Je vais te montrer comment ça marche. Gagne et tu pourras accéder au premier étage. D'accord. Mini-jeu, séisme, but, arrive en premier avant la fin du temps. C'est parti. D'accord, l'escalier tombe en morceaux, monte avant qu'il n'ait disparu. Alors ça, c'est un jeu de spam. Donc là, je spam. Et je joue contre un Yoshi. Donc là, je spam ma touche A, j'ai envie de dire, j'en ai rien à faire. J'en ai absolument rien à faire. Sachez que je suis détendu, hein, juste le doigt qui est tendu. Bon, Yoshi a déjà perdu, donc pas trop dur de gagner. Mini-jeu duel remporté. Il me semble que c'est un mini-jeu duel du coup, hein, puisque c'est un mini-jeu qui joue en 1 contre 1. Principe duel. Le 1 contre 1. Ton pouvoir est plus grand que le mien. Bon, je vais tenir parole. Tu peux accéder au premier étage. Un dueliste plus fort que moi s'y trouve. Il faut que je reprenne l'entraînement. Oui, ça c'était le plus simple. Hein. Je savais que tu allais venir. Tu as les qualités du dueliste. Le duel du premier étage. Entre une souris. Il y a un autre duel, liste à ce niveau. Si tu gagnes le duel, tu vas au deuxième étage. Je t'y attendrai. On se reverra. Un œuf géant. À l'attaque, je suis Gros Machalo, le dueliste. À l'attaque, que le combat commence. Très bien. De la réticence, poule mouillée, Eva. Ne me sous-estime pas, je suis très fort. J'ai de grandes capacités. Si tu ne me bats pas, tu auras le jeu du duel. Si tu me bats, pardon, tu auras le jeu duel. Si tu perds, tu n'auras rien. Mini-jeu, voler bombe. But, bat ton adversaire. À l'attaque! Gata! Lance bob-bombe pour qu'il explose chez l'adversaire 3 fois. Ah, il est bien. Un petit peu plus dur comme jeu, si je me souviens bien.
Mais on va se faire plaisir. Il faut balancer un bob-omb tout simplement qui explose au bout d'un moment. Bah là j'ai eu du bol. Ah il est vraiment nul. Hop. Hop. Ouais bon bah j'ai gagné. Sachant qu'au bout d'un moment il explose tout seul. Bon bah je suis déclaré grand gagnant. J'avoue que j'ai pas trop compris comment, mais bon, c'est pas grave. Hein. Surtout que le deuxième coup, normalement, j'aurais dû me le prendre. Bon, on m'a rebondi, j'ai eu le temps de taper deux fois. Tu as prouvé ta supériorité. Je vais pleurer sur ma défaite. Mais je te félicite. Tu peux monter au deuxième étage. Un dueliste féroce t'y attend. Tu l'as fait, tu es au deuxième étage. J'avais raison de croire en toi. Tous mes doutes se sont estompés. Le duel du deuxième étage. Le dernier duel, je faut supposer. Tu as battu des duellistes très braves. Le cœur est la force du duelliste. Un bon duelliste a un cœur vaillant. Voilà maintenant ton dernier duel. Ton adversaire sera... moi. Moi. Place à la bataille finale. À l'attaque. C'est un honneur. Un vrai combattant. Respecte l'adversaire. Je me doutais bien que tu accepterais. Gagne et ce jeu duel c'est pour toi. Tout est affaire de cœur. Mini-jeu pétoche. Tiens plus longtemps que ton adversaire. Prépare-toi, que le meilleur gagne. Womp est sur le point de tomber. Reste là le plus longtemps possible. Sans te faire écraser, faut supposer. A fuir, B feinté. Ah, intéressant. D'accord. Ah merde, j'ai fui avant lui. J'ai perdu. J'ai perdu. Je voulais pas me faire écraser, mais... je pense que j'ai droit à plusieurs essais, hein. J'espère pas me taper toute la tour. Perdu, la mission n'est pas terminée. Allez, je te donne une autre chance. Tu utilises un de tes champignons? Bonne idée. Bon esprit Luigi, c'est parti. Voilà, je préfère cramer mes champignons. C'est pas grave. Enfin, je voulais voir à quelle vitesse on feintait, surtout. Ah, putain, merde. Je fuis beaucoup, beaucoup trop tôt. Bon bah je vais devoir recramer un champignon, c'est dingue hein. Je suis quelqu'un de prudent en fait. Quelqu'un de très très prudent et du coup bah au final je me fais avoir. C'est pas grave hein, c'est pas grave. Faut juste que ouais, je sois moins sur les nerfs, moins réactif. Hop, c'est bon. C'est gagné. C'est gagné. Voilà, voilà, voilà. C'est gagné. Ton cœur vaillant t'a permis de me battre. Tu as mérité ce duel. Tu as beaucoup de talent. Et tu maîtrises la technique du duel. Utilise ce pouvoir pour servir la justice. Bowser veut conquérir ce monde. Tu peux l'en empêcher. Courage. Donc du coup... j'ai remporté toutes les épreuves de la tour duel. Ce qui est plutôt pas mal. Donc là, normalement, j'ai débloqué le premier tuyau. Normalement. Tu as fini 4 missions. Hein. Pour la peine, tu peux me défier. Je t'ouvre le tuyau bleu foncé. Ma mission t'attend au bout du tuyau. On va se mesurer dans un jeu de sport. Va à la maison tuyau. Entre dans le tuyau si tu veux un catatruc. Quoi? Tu ne sais pas où c'est? C'est au beau milieu de Champiville. Si tu veux entrer dans le tuyau suivant, tu dois accomplir 6 autres missions. Oh, c'est dingue ça. T'es vraiment con, Luigi, hein? Oh. Bravo, tu as obtenu des mini-jeux. Je vais porter à Ludiland. Encore 46 missions à remplir. J'espère que tu y réussiras toutes. Il y en a qui sont plus durs que d'autres, quand même. Phare avec un Bloops. Bloops entraîne un combat en duel, là. Pourquoi tu n'irais pas l'aider? Je vais aller au plus proche, surtout. Là. Et où c'est mon dernier champi? Ah bah. Fini. Ah, et tu n'as plus de champignons, désolé, mais ta partie se termine ici. Ah là là, c'est dommage. Enfin bon, bah du coup, moi ça va me permettre de vous laisser là. Donc on va voir quand même, on a gagné séisme, pétoche et volet bombe qui sont des mini-jeux duel. Et j'ai débloqué le mode course au duel du coup, puisque j'ai des duels. Tu as débloqué la course au duel. Ça c'est bien, c'est très très bien. Menu principal, voilà. Donc bah du coup, on est dans le menu principal et on se retrouvera donc au prochain épisode de ce micro-play. Voilà, allez, bye tout le monde, et à la prochaine. Somebody told me.